Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les aspects de l'investissement socialement responsable, appliqué à la fois aux investisseurs financiers, mais également aux services des collectivités territoriales. Je vous souhaite une très bonne journée à tous, une journée très intéressante. Bons échanges. Aujourd'hui, c'est une conférence éminemment importante puisqu'elle porte sur la notion d'investissement socialement responsable. Et c'est vrai que c'est une question d'actualité. Pour nous, collectivités locales, c'est l'occasion de s'informer sur la possibilité de disposer de nouveaux types d'investissements. Nous sommes venus voir un petit peu comment est-ce que nous pouvons allier nos politiques, notamment en termes d'investissement, et ajouter une consonante environnementale. On assiste à une journée relativement dense, avec de bons débats. Ça s'inscrit dans des conférences qu'on va continuer à organiser, où notre but, c'est d'amener ensemble des experts et des représentants du secteur public pour qu'ils dialoguent et permettent d'alimenter en fait, les réflexions de nos principaux clients. Et les intervenants étaient de très bonne qualité. Chaque intervenant dans son domaine d'activité est particulièrement précis. C'est une information intéressante parce qu'elle est dynamique, assez rapide, précise, technique, et c'est exactement ce que je venais chercher. C'est toujours l'occasion d'échanger, ce genre de rencontre, ça nous permet toujours de voir avec d'autres collectivités ce qu'elles font, échanger les pratiques, donc c'est toujours très intéressant. Aujourd'hui, alors quels sont les grands outils par lesquels les collectivités agissent en matière de développement durable ? Pourquoi s'intéresser à l'ISR ? J'espère vous apporter une bonne compréhension des activités de la Banque européenne d'investissement. Comment on peut progresser, essayer de diversifier les sources de financement ? Alors, ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est cette rencontre entre des experts du développement durable, de la responsabilité sociale, et puis les praticiens territoriaux qui viennent nous dire comment, sur leur territoire, dans leur collectivité, leur département, leur communauté urbaine, eh bien, ils veulent trouver de nouveaux modes de financement qui soient en adéquation avec cette nouvelle culture des collectivités, c'est-à-dire construire sur le long terme, dans des projets de développement durable, en étant pleinement conscient de sa responsabilité sociale, et trouver des investisseurs qui soient en cohérence avec ces projets. Un grand merci d'être venu. Et puis, j'espère que la journée vous a été informative. Et à très bientôt. Merci.